Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode du Let's Play sur WRC5. Épisode précédent, on avait commencé ce rallye d'Argentine. Et ça s'était mal fini l'épisode, puisqu'on avait pris une pénalité de 5 secondes. Du coup, on est à quelques centièmes. En vrai, il suffit juste qu'on gagne les prochaines courses et ça devrait aller, les gars. Donc, sans plus tarder, on y va. On continue ce rallye d'Argentine. Là, on n'a plus le droit à l'erreur. On est derrière le bon vieux Abdulaziz. On est à Villa Bustos. Ok, c'est parti. Ce qui m'insupporte vraiment dans le jeu, c'est la pluie. Donc là, en vrai, ça va. Et le sable aussi sur le pare-brise, pour l'instant on n'en a pas, mais ça commence, on voit que ça commence à s'encrasser là. Les gars, en Argentine, genre l'Argentine, les décors, c'est ça. On se croirait vraiment en Afrique, un peu. Voilà, le pare-brise, il est dégueulasse. Oula. Voilà, on voit plus rien. Désolé, c'est insupportable. Hein. Là, je vais casser la gueule par contre. Là, on rigole plus là. En 2 secondes, là, il commence à me saouler le copilote. Portable à Ford, hein. Je vous jure les gars, c'est compliqué à contrôler. Ah, on ferme très fort. Ouais. Oui. En panneau. Sur gauche 1, long, ferme. Sur ciel, droite 2, ferme fort. Sur droite 5. Sur droite 3 plus, à fond. Je suis un peu énervé là. Sur droite 2, dans gauche 2 plus, long, ferme fort. J'ai beau attendre quelques jours, enfin quelques jours, non, je préfère me taper le panneau que me taper une pénalité. Hein. Super. Fini premier les gars, tranquille, et Abdulaziz 10 secondes d'écart, putain il est complètement nul, là il l'a merdé. Hein. Là il a merdé Abdulaziz. On était à quelques centièmes de lui, là il a perdu 9 secondes sur nous.
les gains en WRC 2, je trouve qu'ils sont... je trouve qu'ils sont... Comment dire ? Ils sont pas constants dans leur performance. Oh putain. Characato. C'est parti. Pour la deuxième course. Putain, non, je suis désolé, c'est injouable. C'est grave injouable. À la limite, je joue comme ça. Mais je vous jure, c'est injouable dans la voiture. Tout ça de mieux. Heureusement que je l'écoutais parce que là il n'y a plus les flèches. On peut pas enchaîner les drifts avec cette voiture. Il faut avoir la combinaison. J'ai envie de l'avoir, est-ce que je... Ouais, légère l'épingle. Ouais. On finit premier. Abdulaziz qui se rattrape de sa mauvaise course. c'est bien, Nicolas Fuchs qui gagne des points. C'est super ça. Mais on a quand même 10 secondes d'écart avec le bon vieux Abdulaziz. C'est quasiment une victoire actée, les gars. Pour le Power Stage. Ah putain, on peut réparer la voiture, super. Ça va, hein, franchement, j'en prends soin. Hein. Je respecte leur... le contrat. Hein. Ils sont comment niveau équipe? Ouais, franchement, ils seront contents. Hein. Je suis un bon conducteur, là. J'essaie de faire gaffe à la voiture, maintenant. Power Stage, c'est parti. J'espère que c'est pas de nuit. Ça va, en plus il fait beau, super. Copina, El Condor, c'est parti. Le seul truc qui pourrait nous niquer, les gars, c'est une pénalité de 10 secondes. C'est vraiment de 10 secondes. Même une pénalité de 5 secondes, ça suffirait pas. Il faudrait que je me plante aussi à un point. Bon, là, vu comment je suis là en ce moment, là, ça m'étonnerait. Sur gauche 2, sur droite 2 plus.
Appuie sur droit droit moins. Cours. Cours droit droit moins. Dans gauche 2 plus. Sur droit 3. Dans gauche 2. Ferme. Sur pont. Ah, il y a un pont. Sur fais gaffe au croisement. Droite 1 et 3. Elle est bien cette course. On a un caramel, tu vas voir. Là. Même des petits ponts, il y a un hélico là. Enfin, on gère les gars, on gère. Je suis allé voir ce matin le Play Store. Il y a le jeu Sébastien Loeb Evo Rally, je sais pas quoi, à 2€. J'ai hésité à me le prendre, mais au final, non. Parce que j'ai regardé un peu les gameplays, apparemment, niveau frein, c'est pas ça du tout le jeu. Bon, bon. On va pas prendre non plus des jeux de rally pour jouer au rally, quoi, non. Ok, fini finito. Premier. Abdulaziz qui a 3 secondes d'écart sur nous. Super, on a eu notre petit trophée Argentine. On le remporte haut la main. On a gagné le Zion Rally Argentina. Tenez-vous prêts pour le Vodafone Rally de Portugal. On retourne au Portugal, les potes. Mais. Attendez, je vais commenter un peu le classement là. Avant de dire ce que je vais faire après. On est premier, et pourtant on a joué un rallye de moins que le deuxième. On est très très bien les potes. Ah putain, en plus c'était celui qui était... Ok. Ok, ok. Nicolas Fuchs qui est dans mon équipe se débrouille plutôt bien, hein. Il est cinquième en vrai, ça va. Ok. Notre équipe du coup est première. Putain, on les encule là. On les a bien dépassés. Les premiers. Super. Super les gars, on est bon. Ok. Retour au QG. Les gars, ce qui va se passer là, c'est que je veux pas vous filmer le rallye de Vodafone enfin, au Portugal. On a le rallye du Portugal. On se retrouvera pour le rallye d'Italie. Donc voilà. Moi, je vais faire mon rallye du Portugal en difficulté difficile. Bien sûr, comme je l'ai dit, vu que c'est un championnat que j'ai remporté. Je vais le faire en difficile, histoire de mettre un peu de réalisme, on va dire, et plus de difficultés. Et pourquoi pas, au final, mettre l'Italie en difficile, on verra comment ça se déroule. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour cet épisode 19, rendez-vous pour l'épisode 20 en Italie, du coup. Et je vous dirai comment ça s'est passé le Portugal, bien sûr. Allez, ciao, prenez soin de vous.